Jules Supervielle, l'enfant de la haute mer. Comment s'était formée cette rue flottante? Quel marin, avec l'aide de quels architectes, l'avait construite dans le haut Atlantique, à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de 6000 mètres? Cette longue rue, aux maisons de briques rouges si décolorées qu'elles prenaient une teinte gris de France, ces toits d'ardoise, de tuiles, ces humbles boutiques immuables, et ce clocher très ajouré. Et ceci, qui ne contenait que de l'eau marine et voulait sans doute être un jardin clos de murs, garni de tessons de bouteilles, par-dessus lesquels sautait parfois un poisson. Comment cela tenait-il debout sans même être ballotté par les vagues? Et cet enfant de 12 ans, si seul, qui passait en sabots d'un pas sûr dans la rue liquide, comme si elle marchait sur la terre ferme, comment se faisait-il? Nous dirons les choses au fur et à mesure que nous les verrons et que nous saurons. Et ce qui doit rester obscur le sera malgré nous. À l'approche d'un navire, avant même qu'il fût perceptible à l'horizon, l'enfant était pris d'un grand sommeil et le village disparaissait complètement sous les flots. Et c'est ainsi que nul marin, même au bout d'une longue vue, n'avait jamais aperçu le village, ni même soupçonné son existence. L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Savait-elle seulement qu'elle était une petite fille? Elle n'était pas très jolie, à cause de ses dents un peu écartées, de son nez un peu trop retroussé, mais elle avait la peau très blanche, avec quelques taches de douceur, je veux dire de rousseur. Et sa petite personne, commandée par des yeux gris, modestes, mais très lumineux, vous faisait passer dans le corps jusqu'à l'âme une grande surprise qui arrivait du fond des temps. Dans la rue, la seule de cette petite ville, l'enfant regardait parfois à droite et à gauche, comme si elle eût attendu de quelqu'un un léger salut de la main ou de la tête, un signe amical. Simple impression qu'elle donnait sans le savoir, puisque rien ne pouvait venir, ni personne, dans ce village perdu et toujours prêt à s'évanouir. De quoi vivait-elle? De la pêche? Nous ne le pensons pas. Elle trouvait des aliments dans l'armoire et le garde-manger de la cuisine, et même de la viande tous les 2 ou 3 jours. Il y avait aussi pour elle des pommes de terre, quelques autres légumes, des œufs de temps en temps. Les provisions naissaient spontanément dans les armoires, et quand l'enfant prenait de la confiture dans un pot, il n'en demeurait pas moins inentamé, comme si les choses avaient été ainsi un jour, et qu'elles dussent en rester là éternellement. Le matin, une demi-livre de pain frais, enveloppée dans du papier, attendait l'enfant sur le comptoir de marbre de la boulangerie, derrière lequel elle n'avait jamais vu personne, pas même une main ni un doigt poussant le pain vers elle. Elle était debout de bonne heure, levait le rideau de métal des boutiques, ici on lisait estaminet et là forgeron ou boulangerie moderne, mercerie, ouvrait les volets de toutes les maisons, les accrochait avec soin à cause du vent marin, et suivant le temps, laissait ou non les fenêtres fermées. Dans quelques cuisines, elle allumait du feu afin que la fumée s'élevât de 3 ou 4 toits. Une heure avant le coucher du soleil, elle commençait à fermer les volets avec simplicité, et elle abaissait les rideaux de tôle ondulée. L'enfant s'acquittait de ses tâches, mû par quelque instinct, par une inspiration quotidienne qui la forçait à veiller à tout. Dans la belle saison, elle laissait un tapis à une fenêtre ou du linge à sécher, comme s'il fallait à tout prix que le village eût l'air habité et le plus ressemblant possible. Et toute l'année, elle devait prendre soin du drapeau de la mairie ici exposé. La nuit, elle s'éclairait de bougies ou causait à la lumière de la lampe. On trouvait aussi l'électricité dans plusieurs maisons de la ville, et l'enfant tournait les commutateurs avec grâce et naturel. Une fois, elle fit au heurtoir d'une porte un nœud de crêpe noire. Elle trouvait que cela faisait bien. Et cela resta là 2 jours, puis elle le cacha. Une autre fois, la voilà qui se met à battre du tambour, le tambour du village, comme pour annoncer quelque nouvelle. Et elle avait une violente envie de crier quelque chose qu'on eût entendu d'un bout à l'autre de la mer. Mais sa gorge se serrait, nul son n'en sortait. Elle fit un effort si tragique que son visage et son cou en devinrent presque noirs, comme ceux des noyés. Puis il fallut ranger le tambour à sa place habituelle, dans le coin gauche, au fond de la grande salle de la mairie.
L'enfant accédait au clocher par un escalier en colimaçon, aux marches usées par des milliers de pieds jamais vus. Le clocher, qui devait bien avoir 500 marches, pensait l'enfant, il en avait 92, laissait voir le ciel le plus qu'il pouvait entre ses briques jaunes. Et il fallait contenter l'horloge à poids en la remontant à la manivelle pour qu'elle sonnât vraiment les heures, jour et nuit. La crypte, les autels, les saints de pierre donnant des ordres tacites, toutes ces chaises à peine chuchotantes qui attendaient, bien alignées, des êtres de tous les âges, ces autels, dont l'or avait vieilli et désirait vieillir encore, tout cela attirait et éloignait l'enfant, qui n'entrait jamais dans la haute maison, se contentant d'entrouvrir parfois la porte capitonnée, aux heures de désœuvrement, pour jeter un regard rapide à l'intérieur, en retenant son souffle. Dans une malle de sa chambre se trouvaient des papiers de famille, quelques cartes postales de Dakar, Rio de Janeiro, Hong Kong, signées Charles ou C. Lievens et adressées à Stanford, dans le Nord. L'enfant de la haute mer ignorait ce qu'étaient ces pays lointains, et ce Charles, et ce Stanford. Elle conservait aussi dans une armoire un album de photographies. L'une d'elles représentait une enfant qui ressemblait beaucoup à la fillette de l'océan, et souvent celle-ci la contemplait avec humilité. C'était toujours l'image qui lui paraissait avoir raison, être dans le vrai. Elle tenait un cerceau à la main. L'enfant en avait cherché un pareil dans toutes les maisons du village, et un jour, elle pensa avoir trouvé. C'était un cercle de fer d'un tonneau, mais à peine eut-elle essayé de courir avec lui dans la rue Marine que le cerceau gagna le large. Dans une autre photographie, la petite fille se montrait entre un homme revêtu d'un costume de matelot et une femme osseuse et endimanchée. L'enfant de la haute mer, qui n'avait jamais vu d'homme ni de femme, s'était longtemps demandé ce que voulaient ces gens, et même au plus fort de la nuit, quand la lucidité vous arrive parfois tout d'un coup, avec la violence de la foudre. Tous les matins, elle allait à l'école communale, avec un grand cartable enfermant des cahiers, une grammaire, une arithmétique, une histoire de France, une géographie. Elle avait aussi de Gaston Bonnier, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, et Georges Delayens, lauréat de l'Académie des sciences, une petite flore contenant les plantes les plus communes, ainsi que les plantes utiles et nuisibles, avec 898 figures. Elle lisait la préface. Pendant toute la belle saison, rien n'est plus aisé que de se procurer en grande quantité les plantes des champs et des bois. Et l'histoire, la géographie, les pays, les grands hommes, les montagnes, les fleuves et les frontières, comment s'expliquer tout cela pour qui n'a que la rue vide d'une petite ville, au plus solitaire de l'océan? Mais l'océan même, celui qu'elle voyait sur les cartes, elle ne savait pas se trouver dessous, bien qu'elle l'eût pensé un jour, une seconde. Mais elle avait chassé l'idée comme folle et dangereuse. Par moments, elle l'écoutait avec une soumission absolue, écrivait quelques mots, écoutait encore, se remettait à écrire comme sous la dictée d'une invisible maîtresse. Puis l'enfant ouvrait une grammaire et restait longuement penché, retenant son souffle, sur la page 60 et l'exercice 168 qu'elle affectionnait. La grammaire semblait y prendre la parole pour s'adresser directement à la fillette de la haute mer. Êtes-vous? Pensez-vous? Parlez-vous? Voulez-vous? Faut-il s'adresser? Se passe-t-il? Accuse-t-on? Êtes-vous coupable? Est-il question? Tenez-vous ce cadeau? Vous plaignez-vous? Remplacez les tirets par le pronom interrogatif convenable avec ou sans préposition. Parfois, l'enfant éprouvait un désir très insistant d'écrire certaines phrases. Et elle le faisait avec une grande application. En voici quelques-unes entre beaucoup d'autres. Partageons ceci, voulez-vous? Écoutez-moi bien. Asseyez-vous. Ne bougez pas, je vous en supplie. Si j'avais seulement un peu de neige des hautes montagnes, la journée passerait plus vite. Écume. Écume autour de moi. Ne finiras-tu pas par devenir quelque chose de dur? Pour faire une ronde, il faut au moins être trois.
C'étaient deux ombres sans tête qui s'en allaient sur la route poussiéreuse. La nuit, le jour, la nuit, le jour, les nuages, les poissons volants. J'ai cru entendre un bruit, mais c'était le bruit de la mer. Ou bien elle écrivait une lettre où elle donnait des nouvelles de sa petite ville et d'elle-même. Cela ne s'adressait à personne, et elle n'embrassait personne en la terminant, et sur l'enveloppe il n'y avait pas de nom. Et la lettre finie, elle la jetait à la mer, non pour s'en débarrasser, mais parce que cela devait être ainsi. Et peut-être à la façon des navigateurs en perdition qui livrent au flot leur dernier message dans une bouteille désespérée. Le temps ne passait pas sur la ville flottante. L'enfant avait toujours 12 ans. Et c'est en vain qu'elle bombait son petit torse devant l'armoire à glace de sa chambre. Un jour, lasse de ressembler avec ses nattes et son front très dégagé à la photographie qu'elle gardait dans son album, elle s'irrita contre elle-même et son portrait, et répandit violemment ses cheveux sur ses épaules, espérant que son âge en serait bouleversé. Peut-être même la mer tout autour en subirait-elle quelque changement, et verrait-elle en sortir de grandes chèvres à la barbe écumante qui s'approcheraient pour voir. Mais l'océan demeurait vide, et elle ne recevait d'autres visites que celles des étoiles filantes. Un autre jour, il y eut comme une distraction du destin, une fêlure dans sa volonté. Un vrai petit cargo, tout fumant, têtu comme un bulldog et tenant bien la mer, quoiqu'il fût peu chargé, une belle bande rouge éclatait au soleil sous la ligne de flottaison, un cargo passa dans la rue marine du village sans que les maisons disparussent sous les flots, ni que la fillette fût prise de sommeil. Il était midi juste. Le cargo fit entendre sa sirène, mais cette voix ne se mêla pas à celle du clocher. Chacune gardait son indépendance. L'enfant, percevant pour la première fois un bruit qui venait des hommes, se précipita à la fenêtre et cria de toutes ses forces « Au secours !» et elle lança son tablier d'écolière dans la direction du navire. L'homme de barre ne tourna même pas la tête. Et un matelot qui faisait sortir de la fumée de sa bouche passa sur le pont comme si de rien n'était. Les autres continuèrent de laver leur linge, tandis que de chaque côté de l'étrave, des dauphins s'écartaient pour céder la place au cargo qui se hâtait. La fillette descendit très vite dans la rue, se coucha sur les traces du navire et embrassa si longuement son sillage que celui-ci n'était plus, quand elle se releva, qu'un bout de mer sans mémoire et vierge. En rentrant à la maison, l'enfant fut stupéfaite d'avoir crié « Au secours !» Elle comprit alors seulement le sens profond de ces mots. Et ce sens l'effraya. Les hommes n'entendaient-ils pas sa voix? Ou ils étaient sourds et aveugles, ces marins? Ou plus cruels que les profondeurs de la mer? Alors, une vague vint la chercher, qui s'était toujours tenue à quelque distance du village, dans une visible réserve. C'était une vague énorme et qui se répandait beaucoup plus loin que les autres, de chaque côté d'elle-même. Dans le haut, elle portait deux yeux d'écume parfaitement imités. On eût dit qu'elle comprenait certaines choses et ne les approuvait pas toutes. Bien qu'elle se formât et se défît des centaines de fois par jour, jamais elle n'oubliait de se munir, à la même place, de ses deux yeux bien constitués. Parfois, quand quelque chose l'intéressait, on pouvait la surprendre qui restait près d'une minute la crête en l'air, oubliant sa qualité de vague, et qu'il lui fallait se recommencer toutes les 7 secondes. Il y avait longtemps que cette vague aurait voulu faire quelque chose pour l'enfant, mais elle ne savait quoi. Elle vit s'éloigner le cargo et comprit l'angoisse de celle qui restait. N'y tenant plus, elle l'emmenait non loin de là, sans mot dire et comme par la main. Après s'être agenouillée devant elle à la manière des vagues et avec le plus grand respect, elle l'enroula au fond d'elle-même, la garda un très long moment en tâchant de la confisquer avec la collaboration de la mort. Et la fillette s'empêchait de respirer pour seconder la vague dans son grave projet. N'arrivant pas à ses fins, elle la lança en l'air jusqu'à ce que l'enfant ne fût pas plus grosse qu'une hirondelle marine, la prit et la reprit comme une balle. Et elle retombait parmi des flocons aussi gros que des œufs d'autruche. Enfin,
Voyant que rien n'y faisait, qu'elle ne parviendrait pas à lui donner la mort, la vague ramena l'enfant chez elle dans un immense murmure de larmes et d'excuses. Et la fillette, qui n'avait pas une égratignure, dut recommencer d'ouvrir et de fermer les volets sans espoir et de disparaître momentanément dans la mer dès que le mât d'un navire pointait à l'horizon. Marin, qui rêvait en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignez de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Vous risqueriez de donner naissance, dans des lieux essentiellement désertiques, à un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne peut pas vivre, ni mourir, ni aimer, et souffre pourtant comme s'il vivait, aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir. Un être infiniment déshérité dans les solitudes aquatiques, comme cet enfant de l'océan. Né un jour du cerveau de Charles Lievens de Stenvoort, matelot de pont du quatre-mâts Le Hardy, qui avait perdu sa fille âgée de 12 ans pendant un de ses voyages, et une nuit, par 55 degrés de latitude nord et 35 de longitude ouest, pensa longuement à elle avec une force terrible pour le plus grand malheur de cet enfant.